Bonjour, je suis Audrey Serre, cofondatrice et chef de projet chez StrainCam, que j'ai rejoint depuis sa création en octobre 2017. StrainCam a deux axes, une partie service où on travaille pour différentes entreprises pharma. Donc dans ce cas-là, on va synthétiser différentes molécules en fonction des besoins des clients. Actuellement, on est trois et trois chimistes organiciens dans la société. Je m'appelle Simon Grélo, donc je suis docteur en chimie de l'Université de Bordeaux et je viens de rejoindre StrainCam en tant que chercheur donc en chimie organique et médicinale. StrainCam est né d'un projet fou d'ailleurs, qui était d'essayer de réaliser la synthèse de peptides sans groupement protecteur. Et on pense qu'on va faire un carton bientôt. StrainCam est installé sur le Biopôle Clermont-Limagne depuis maintenant février 2018. Biopôle est en fait un rassemblement de différentes entreprises, toutes des biotech. Et en fait, l'avantage d'être installé sur ce type de site, c'est la rencontre avec d'autres gérants d'entreprises qui nous donnent des conseils, qui nous donnent leur point de vue. Il y en a certains, c'est nos clients, il y en a d'autres qu'on fait travailler. Et puis la plupart d'entre eux, c'est presque des amis. On se voit pour un café, on peut échanger. C'est vraiment très enrichissant. J'ai fait mon BTS au lycée Paul Constant de Montluçon entre 2008 et 2010. J'ai découvert le milieu de la recherche grâce à mon stage. Suite à ça, j'ai voulu continuer et je suis partie du coup en licence. J'ai fait ensuite le master et un doctorat en radiochimie. Quand Audrey était étudiante, on sentait que c'était quelqu'un qui était très indépendant, qui avait besoin de beaucoup d'autonomie et qui était extrêmement volontaire. Et avec Audrey, on a gardé contact à la fin de son BTS, donc on a pu suivre un petit peu l'évolution de son parcours, et elle a souhaité par la suite, une fois qu'elle était installée dans la société StrainCam, lier un partenariat un petit peu plus abouti avec la formation dont elle était issue, dans le cadre de l'accueil d'étudiants en stage ou de projets en partenariat avec le lycée. Ce que j'ai aimé au lycée Paul Constant et sur la formation du BTS chimie, c'est qu'on ait le temps de faire des TP. Le BTS, ça présente un autre avantage, c'est que c'est, je vais pas dire une petite famille, mais on est peu nombreux, on était une promo d'une vingtaine, où on a nos enseignants sur les deux années. Donc en fait, on a un partage où nos enseignants nous connaissent, nous on les connaît, et du coup, ça rassure aussi. J'ai fait ma thèse à Clermont-Ferrand et il s'avère que Jean-Jacques était en incubation pour le projet de StrainCam à cette époque-là. Un jour, Jean-Jacques est venu me voir dans mon bureau et m'a demandé de le rejoindre en fait dans cette aventure. Pour dire la vérité, au début, je ne l'ai pas cru. Et j'ai soutenu ma thèse en septembre. On a créé la société après en octobre 2017. Audrey a fait un développement extraordinaire. Et au jour d'aujourd'hui, on est capable de synthétiser des peptides sans groupement protecteur. En fait, pour faire simple, c'est que des fois, je suis feignant. Et là, c'est sérieux. C'est-à-dire que quand il faut utiliser un groupement protecteur, moi, je me dis, non, ça va me coûter deux étapes, il faut le mettre, il faut l'enlever. Donc moi, j'essaye toujours de contourner, j'essaye de voir comment je peux éviter de me fatiguer à la paillasse. C'est ça qui m'excite, en fait. D'essayer d'être plus malin, en fait. C'est ça la petite flamme que j'ai en moi, quoi. J'ai la chance d'avoir rejoint StrainCam, de travailler sur une innovation, quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ce challenge, ça n'a pas de prix en fait, de se lever le matin, de se dire il faut qu'on y arrive, il faut qu'on soit les premiers. Pour moi, c'est tout passe par l'amour de ce qu'on fait en fait. Il faut aimer ce qu'on fait et puis travailler, tout simplement. Quand ça se passe mal, il faut toujours prendre du recul. Il faut prendre du recul, essayer d'analyser, on en a eu, on a fait des erreurs et on a toujours échangé, et ça c'est vraiment le mot-clé. Nos relations ne s'arrêtent quasiment jamais, on est comme un couple en fait. Donc il faut beaucoup échanger, il faut avoir confiance l'un et en l'autre. StrainCam, mais finalement c'est notre bébé à tous les deux. N'ayez pas peur de créer votre société. Ça fait peur parce qu'on se dit mais waouh, donc on se lance. Et en fait c'est une expérience à vivre. Ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de croire en leur rêve en fait. Tout est possible.